Au son des tambours, ils avancent, canne à la main, symbole de sagesse pour les hommes, le cou serti de collier et les épaules bariolées de kaolé pour les femmes. À pas lents et contrôlés, les quelques 112 membres de la génération Cocoriaco atteignent la place prévue pour les festivités. Nous sommes à Jacqueville, épicentre du pays à Aladjan, sur le littoral ivoirien. Les Cocoriaco, la génération des personnes âgées de 60 à 63 ans, est célébrée. Pourquoi nous fait-on? Parce que vivre 60 ans, c'est déjà un grand pas dans la vie de quelqu'un. Et nous remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne. Célébrer une génération, normal, dirait-on. Celle-ci d'ailleurs constituée de sexagénaires qui entendent s'impliquer dans le développement communautaire. Au départ, c'est nous-mêmes nos problèmes. Et c'est après, c'est en avançant en âge que nous avons commencé à nous saisir de ce qui est le problème du village et en décider avec les responsables du village. Les problèmes du village, c'est-à-dire le développement communautaire, le message n'est pas nouveau. Les devanciers, les premiers Cocoriaco, ceux nés en 1926, l'avaient débuté. Notons qu'en pays Aladjan, la génération n'est pas l'exercice direct du pouvoir comme chez les voisins ébriers. La génération, ici, peut se constituer de façon spontanée ou même selon un contexte historique. Aux côtés de la génération Cocoriaco, d'autres générations venues répondre à l'appel, celui de la mobilisation pour le développement des 14 villages du pays Aladjan. Et cela vaut bien quelques sonorités bien colorées.